Alors D c'est mort de dysenterie mais... Ah! Ah bah oui, bah oui. C'est vrai qu'on voulait qu'il soit décédé lui. Par contre, est-ce qu'on aurait... Ah oui d'accord, 7 c'est le maximum, vous êtes sérieux? Soumis. Bon. Ouais, sauf qu'il baisse tes revenus commerciaux. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il augmente les points de recherche de 10%. Pourquoi pas? Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il a mis sur les différentes provinces. Ça, c'est pas intéressant. Tu vas monter nos revenus, ça serait pas mal. Ça et ça. Ainsi que ça. Je dis pourquoi pas. Parce qu'on a quand même pas mal. À quoi que ça, c'est complètement con en fait. Ça, on va mettre ça. Ici, on a. Ouais, on a bien quelques tribaux, mais c'est pas non plus. Pas non plus la fin du monde. Et en termes de culture, là, on avait tout. Là, par contre. Ah, j'ai plus de points. Va falloir qu'on fasse le tour, hein, parce qu'il a fait un peu de merde à quelques endroits. Il faudrait qu'on regarde les autres territoires aussi si le changement culturel s'est bien fait. Toi déjà on va aller là. Et toi est-ce qu'on peut te latter la gueule là, au plus grand des hasards? Ok. Ah c'est bon, il a décidé de faire demi-tour. Bon, de toute façon, son armée là... Ah bah si, 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 d'accord. Il a bien retrouvé un chemin où il était un peu perdu. Mais ça lui va maintenant, il a retrouvé son chemin, donc on va pouvoir lui éclater son armée. Ah, un petit blond, ouais, bien sûr. Ouais. Allez, donne-moi le 100% de score de guerre. Et qu'on en termine avec tout ça. Alors, les Tigurins, négocier la paix. À nous, à nous, à nous, à nous, à nous. Plus 13. Bon. Voilà, merci. Alors, on va baisser l'expansion agressive quand même. Ça devient un peu beaucoup, hein? Un petit peu beaucoup. Bon, baisser la culture, baisser. Non. Ah. Bon, bah on va utiliser notre pognon, hein, on va acheter ça. Tu me changes la culture. Non, parce que voilà quoi, hein, à un moment. Le gars il nous attaque, il sait pas pourquoi. Oui? On devient une grande puissance, merci. Alors, le pays s'est élevé, il n'a désormais plus le rang politique de grande puissance, mais celui de puissance majeure, du fait que nous possédons maintenant au moins 500 cités. Donc ça permet de garantir d'autres pays, d'intervenir dans les guerres, de menacer de guerre, de soutenir les rebelles et d'imposer des paix. Les routes d'importation de la capitale prennent plus 2, les relations diplomatiques on a plus 5, bon ça tombe bien, voilà. La portée diplomatique plus 225%, le nombre de chefs de clan plus 3. Multiplicateur lié au régime, ok. Et coût de changement des politiques provinciales, moins 40%. Donc on pourra changer plus facilement les politiques du pays. Ce qui veut dire que théoriquement, ça ne coûtera que 41. Bon, pourquoi pas. Là par contre, je suis pas très fan hein, de ce qu'il a foutu. Enfin, en même temps, il a 33% de corruption. Bon, hein. On a des gars qui sont légèrement corrompus. Légèrement. Bon, par contre, si on pouvait avoir une armée qui allait dire bonjour à cette armée de 23 là-bas. Ça devrait le faire. On va rester en contact avec Rome. Parce que là, tu dis quoi, Rome, hein? Hein, tu dis quoi?
D'ailleurs, on pourrait. Ah, mais non, mais on n'aura pas assez d'argent. On pourrait passer en statut apaisant, ce qui nous permettrait de baisser plus rapidement encore notre expansion agressive. Mais on a besoin de quelques points, hein, accessoirement. Parce que bon, là, c'est bien, ils prennent du pognon, mais je m'en fous qu'ils prennent du pognon, quoi. Ah oui, 31 au lieu de. Oui, bah, c'est beaucoup moins cher encore. C'est moins cher que gratuit, là. Il a quel âge, notre. Effondrement du temple. Non, bah, mets du fric. Il a quel âge, ce con-là? Il est en train de décéder, c'est ça? Ah non, il est en train de se soigner en plus! Mais non! Faut pas soigner, monsieur, faut mourir! Parce que son dirigeant, ouais, 22 ans. Bon, il est pas excellent, mais c'est déjà mieux que rien. Ok. Alors, toi, si je te déclare la guerre. Non, parce que bon, hein. Au départ, on était en train de lui déclarer la guerre, quoi. C'est pas comme si on était en train de lui rouler dessus. Fait des routes vers Rome. Oui. Oh, bah tiens, des points militaires, ça tombe bien. On avait besoin de faire des routes. Alors, par contre, là, les routes, on les a. On en a une ici. Ouais, il nous faudrait plusieurs points d'entrée. Mais le problème, c'est qu'on doit passer à chaque fois par les Alpes. Beaucoup des Alpes, le mieux, ça serait de faire une entrée par ici. Mais ça veut dire qu'on aurait une poche de résistance. Et on a des forts qui sont construits, notamment un fort ici. Ce qui nous arrange pas des masses, mais si on attaque Rome et qu'on le fait tomber vite, ça pourrait être pas mal. Faudrait qu'on ait assez de points aussi pour faire des revendications sur Vangeni. Ça serait pas mal. Alors, fin de la guerre civile Thrace. Bon, on s'en fout en fait. Enfin, clairement, on s'en cogne. Hein. Ça va être pas mal. Par contre, est-ce que épargnons les habitants? Oui, c'est pas mal. Par contre, est-ce qu'on ne ferait pas une route. Comment elle est là le... Comment il est le territoire? On pourrait aller jusqu'à la ville de Salodurum. Ce qui pourrait être pas mal. Et je crois qu'on avait des territoires à. Ouais, voilà, il y avait quelques tribaux qui étaient à convertir. Ok. Et il restera un territoire ici, il faudra 22 points. Bon, bah, au moins, on aura quasiment tout converti. Donc là, on devrait être pas mal. Off, est-ce que plutôt que là, on la ferait pas là, la route? Ouais, on va se mettre ici, on va faire la route. Et on traversera le Jura. Par contre, ouais, c'est bon, 96 pièces d'or. Là, ce fort-là, je suis moyen fan, hein. Ouais, ok. Ça, je suis plutôt d'accord. Ah, mais on a déjà 100%. Pardon, excusez-moi. Ah, plus 19 par contre. Ouais, bah non. On va attendre. Parce que bon, c'est pas le tout. Mais ça nous coûte, ça va nous coûter trop d'expansion agressive. Et je veux pas passer au-dessus des 50%. Donc, on va attendre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on passe en dessous des 30%. Et toi d'ailleurs, tu vas aller te mettre au contact de Rome par là-bas. Ouais, c'est ça, on va faire comme ça. Ça sera parfait. Ça sera très bien.
et on va venir jusqu'au fort ici. On fera peut-être une route comme ça, je sais pas, qui passe par Genève. On verra. Enfin, Genève est ici, mais peut-être, on verra. Tout cas, on prend 27 par mois, ça veut dire qu'il faut attendre quasiment 5 ans que la guerre se fasse. Ça va être un peu cher quand même. %, c'est rien, c'est juste du sel avec du pesto. Non, mais je vous vois venir, hein. Je vous vois venir. Par contre, le vert, on avait dit que ça faisait quoi, défense locale? Le vert, ça fait revenus commerciaux locaux plus 15%. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a de la recherche ici, du fait qu'on ait beaucoup d'esclaves. Bon, on n'est pas trop mal. Là, plus 6, ça fera plus 20. Il faudra attendre au moins 2 mois pour changer la dernière qui nous dérangeait de ce côté-ci. Par contre, ouais, voilà, on est en conversion culturelle de partout, hein. Y a pas de pitié là-dessus. D'ailleurs, qu'est-ce que ça donne en termes de population? 80... Ah oui, d'accord. Culture gauloise, 99 par 68%. Il reste des Volsques, des Santons, des Bituriges, des Vindéliciens, des Lépontiques, des Pictaves, des Aulerques, ouais, des Éduains, Saluviens, Helvètes, Armoricains, Trévires, Belges, et voilà, c'est déjà pas mal. Beaucoup de Belges quand même. Et on avait dit qu'il restait une conversion à faire. Ah, il y a même des hommes libres encore! Mais qu'est-ce donc que cet affront? Par contre, ouais, en termes de stabilité, on a pris une claque. Bon, on va augmenter déjà les recherches, ça c'est certain. Retrait, vitesse de construction, attrition maritime, non. Émolument des personnages, oui, on peut baisser encore. On est à combien là d'économie? 80, ça pourrait baisser 8 pièces, on a dit. Et le coût de sacrifice aux dieux permettrait d'être moins cher aussi. On a combien de citoyens? On a 31% de la population qui est citoyenne. Donc d'un côté, prendre la production des citoyens, on va voir. On est à combien d'argent? Pour l'instant, on est à 201 et 89. Donc on va voir ce que ça fait. 203. Ouais, on a gagné 2 pièces. Bon, c'est pas fameux. Oui, un fort est construit. Attends, un bot Gallio. C'est où ça? Bon, on s'en fout. Non? Enfin, pas de fort au milieu de nulle part, quoi. Enfin, s'il vous plaît. Il te manque quoi pour la Gaule? Un territoire. Il me manque qu'un seul territoire qui est en plein milieu ici des territoires Vangéon. Donc, ben, une fois qu'on prend ce territoire-là, on a techniquement la Gaule qui peut être fabriquée. Ok. Maintenant, on va, bon, bah, remettre de la puissance oratoire de côté. Hein, on va pas avoir bien le choix. Et après, il va falloir voir peut-être à faire des conversions. Vous êtes exécrable quand même quand vous vous mettez. Ah non, mais j'ai dit 4 ans, mais même pas. Il faut juste 4 mois pour baisser de 1 point.
94, ouais, on gagne quand même près de 100 pièces par mois. C'est frauduleux, limite ce qu'on gagne en pièces. Mais ouais, je pense que Rome va prendre une petite claque dès qu'on le pourra. Demande de l'aide à Catox pour les Non, non, t'es exécrable. T'es exécrable. Tu peux pas être écrable au complet encore. Il te manque de l'entraînement. Alors, homme libre, oui. On n'a pas de citoyen. Hein. Ah si, il y a des citoyens! Ah pardon! Alors ce qui est pas mal par contre c'est qu'on sait ouais on le sait aussi ici mais l'interface par contre des provinces a été modifiée et c'est un peu plus lisible maintenant, ça c'est déjà un bon point mais c'était pas forcément gagné mais ils ont modifié ça. Ok, donc en fait il reste les provinces qui sont ici. Ils sont pas la bonne culture. Alors, Rome est en guerre contre quelqu'un ou pas? Ah oui! Contre la Pamphylie et Carthage est en guerre contre des Étrusques. Donc on pourrait essayer d'aller chercher Rome. Mais bon, c'est pas l'objectif. On va déjà finir notre objectif. Non mais ça c'est ignoble. South Park c'est ignoble là. Très très drôle comme jeu, mais tellement ignoble. Alors. Ok, on augmente encore les points, puissance civique. Est-ce que notre dirigeant voudrait bien décéder malencontreusement d'une glissade ou d'un truc du genre, quoi? C'est quoi? Ouais, des camps militaires. Et l'autre, il a fait un fort ici. Rome est pas... Pas confiant quand même, hein. Bon, en même temps, on n'a pas cherché à ce qu'il soit confiant, mais... Ah, voilà, ça c'est ce que j'attendais. Fonction temporaire, bon. On va gagner 8 pièces là-dessus, on a dit. Recouvrement, retrait, vitesse de construction. Production des hommes libres, ça serait pas mal aussi, hein, ça rapporterait pas mal d'argent. Je pense que 8 pièces, c'est pas négligeable, hein. Pourrait être pas négligeable du tout. Voilà, on est à 107 pièces par mois, bon. Alors, famille influente. Catugnatus Totalus se propose de mettre à disposition des Avernes le vaste réseau de... D'accord. Coût de changement des politiques provinciales moins cher. Loyauté des provinces, ok. Bah pourquoi pas? On perdra moins de points et on pourra attaquer. Alors, ce pays-là, par contre, est allié à qui? À celui-ci. Et aux Alpes Grées, on pourrait défoncer facilement.
Par contre, ça veut dire qu'il faudrait qu'on soit ici. Je me dis pourquoi pas. Ouais, on va se mettre en position, puis on leur roulera dessus, hein. On n'est pas à ça près. Par contre, ouais, on pourra pas attaquer tout de suite, hein, parce que d'ailleurs, on peut finir la guerre ici. On va prendre tout votre pognon, merci. Au revoir. Ok, parfait. Bon, bah voilà, on va pouvoir attendre que ça baisse un petit peu. On va attendre que notre puissance oratoire remonte. Et puis, on tapera sur les prochains qui se présenteront. Les citoyens, non, il n'y a pas de nouveaux citoyens. Ok, pour les hommes libres. Icelanders, un petit builder tout smooth. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, mais je suis plus. Ah, mais oui, si, je crois voir ce que c'est. Faut faire des points pour passer au niveau suivant, etc. De mémoire, hein. Décès d'un magistrat. Ah! Ah, bah oui, il se fait vieux. Est-ce qu'on aurait des personnages? Bon, de ce côté-ci, lui il est niveau 7. Ouais, un gamin de 16 ans, sur le plus grand des hasards, ça pourrait marcher. Il pourrait peut-être mieux ailleurs, mais bon, dans le doute. Par contre, ce fort-là est pas trop mal, mais il finira peut-être par sauter. On a un réseau de forts par contre qui est très très bien, mais un peu trop volumineux. Et je me dis que les forts qui sont perdus au milieu de nulle part pourraient aisément sauter. Donc si on commence à faire sauter les forts qui sont sur les arrières, ça serait pas déconnant. D'ailleurs, en termes de culture, ça donne quoi ici? Mais c'est tout Arverne tout ça! Ah ouais, c'est tout Arverne ici! Ah bah non, mais bon travail! Tiens, on va te donner un peu plus de fric. Ouais, on peut te donner un peu plus de fric. Qu'est-ce que ça donne ici? Ok. Belge, Arverne. Non, parce que quand ils font du bon boulot, on peut les payer un peu plus, quoi. On n'est pas obligé de leur jeter des cailloux à chaque fois. Par contre, ouais, le territoire ici, 12. Ouais, pff, ouais, 12, il faudrait être à 15 pour que ça soit intéressant. Ah, il fait un bon boulot, hein. Bon, il y a un Olerk. Ouais, il reste quelques populations. Bon, on va le laisser finir son boulot. Peux-tu passer la loi d'égalité pour avoir plus de choix dans tes persos? Je sais pas du tout, mais je crois pas. Si on regarde les lois, la loi d'égalité, je crois pas pouvoir. Je crois qu'une fois qu'on a le. Quand on a choisi au départ, on peut pas le ravoir par la suite. C'est assez compliqué. Non, je l'ai pas du tout. Bon, l'identité tribale, on va dire, je m'en fous un peu quand même. Par contre, allégation de supériorité, moins de réputation diplomatique, en même temps, on s'en fout un peu, on est en train de défoncer tout le monde, donc bon. Pouvoir accru du conseil, bof. Conseil ouvert, j'aime beaucoup. Par contre, possession de la terre, fera peut-être le faire passer, ça. Mais bon, après, pour l'instant, ça ne veut pas, parce que ah oui, j'ai pas les points. Bon, en même temps, on fait tout le temps la guerre, donc pas avoir les points. Y a rien de nouveau sous le soleil. Que celui qui n'a jamais jeté des cailloux lance le premier caillou. Bah oui, il faut aussi que lui aussi, il faut lui aussi qu'il participe. Les Germains qui nous demandent des trucs.
Ah, et tu veux un accès militaire parce que t'es en guerre, c'est ça? Ah ouais, t'es en guerre. Ah ouais, c'est bien. S'en fout. Ah, mon dirigeant n'est pas marié. Ouais, choisis une vieille, il fait pas chier. Oh, mais sans blague, quoi. Vous me direz, les quelques populations qui étaient pas contentes ici, est-ce qu'on les... Non, c'était ici, c'était où? C'était là. On a un armoricain, un olerque. Et après, on a un territoire qui est entièrement dévoué aux Arvernes, donc franchement pas trop mal. Là, on a des esclaves, on va les rendre heureux et on va leur mettre un marché sur la tronche. Alors, je vais essayer de mettre au moins un marché par territoire. Le but, c'est de faire en sorte que la population s'améliore, augmente. Donc que plus on a de population, plus on aura de revenus, bien sûr. Tac. On avait dit que c'était qui, ses amis? Ouais, dégâts perdus quoi. Allez, on augmente la puissance. Du coup, tu peux pas former encore la Gaule. Non, il manque un territoire pour ça. Non, il manque juste un territoire, mais après ça sera bon. Mais ils sont de quelle culture, de quelle religion là qui m'ennuie Hellénique, mais pourquoi on a des Helléniques là? C'est encore la faute de Rome ça. Ouais c'est ça, c'est la faute de Rome encore. Non, on n'aura pas assez d'argent. La puissance militaire s'augmente. Elles sont où nos technologies d'ailleurs? On est niveau 16 de partout. Et Rome est niveau 17, hein, un 18 de partout. Ah, ouais. Ça, c'est moins cool. Mais en même temps, on a dû repousser un petit peu pour baisser notre expansion agressive de façon importante. Donc, ça coûte un peu cher ça. Il faudrait augmenter un peu notre stabilité, on gagnerait encore plus d'ailleurs. Bon, les autres paumés là, ils nous... Voilà. Le dernier territoire qui me manque, c'est celui-ci. Voilà. C'est celui qui est là. Tout le reste, hein, c'est bien ma possession, il n'y a pas de problème. Mais il me manque juste ce territoire-là. Donc il faut que j'ai 190 de puissance oratoire. Et à partir de là, je pourrais attaquer. Flux commerciaux. Du côté de Rapi. Rapi. Deux tribaux. Druidique Helvète, c'est parfait. Des gens bien, ces druidiques helvètes.
Ok. On a quasiment tout converti. Après, il restera des esclaves et quelques tribaux. Donc, ok. Et là, ils construisent quoi? Un marché. Ok, bah c'est sympa. Ils construisent pour nous. De mon point de vue, c'est normal. À la guerre. Bah oui, mais à la guerre, il va falloir déjà qu'on monte aussi, qu'on ait plus de conversion. Et après, qu'on puisse augmenter notre stabilité. Ça va devenir important. Et pour l'instant, notre expansion agressive diminue. Donc, moi, ça me va très très bien. Si je pouvais tomber autour de 15% d'expansion agressive, je serais parfait. Enfermé. Lucifer. Mais vous n'avez pas fini, non? Je vais mettre des Théo pour spam sur le chat là. Hein. Bande de sales gosses. Oh, niveau de civilisation. Donc là, les technologies, ça se fait tranquillement, mais sûrement. Loyauté mensuelle. Plus 0,2. Bon. Sacrifice aux dieux, gain de popularité. Ouais, on va prendre la production hein, des citoyens. On a quand même pas mal de citoyens. Enfin, des hommes libres, du moins. On a 2900 hommes libres. C'est 30% de nos revenus. Donc, ça pourrait être pas mal. J'ai pas regardé si ça nous avait donné des bonus en termes d'argent, mais. Ouais, on a peut-être gagné 2 points. Ce qui est pas mal, hein, ce qui est pas mal. Pas suffisant, mais pas mal. Ok, ça augmente. Par contre, est-ce qu'on aurait la décès d'un magistrat? Avancée militaire. Bon, on n'a pas mieux là ou... Qu'un niveau 7, mais vous êtes sérieux, mais... Ils sont où ces gars paumés là? Abandonne. Il le prend comme... là là, bande de sales gosses, franchement. Oui, tout ce que j'ai fait pour vous. Ah bah c'est sympa, on nous file même du fric, dis donc. Pour qu'on nettoie encore mieux les territoires. Moi j'aime beaucoup, hein. Ok.